Kylian, 18 ans, je suis en terminale STMG. Je m'appelle Lise, j'ai 16 ans et je suis de Béziers. Je suis en première. Quentin, je suis en terminale à Alès. Carla, j'habite à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Je m'appelle Corentin, j'ai 19 ans et je viens d'Aveyron. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et j'habite à Nîmes. Je viens du coup chercher des renseignements par rapport au droit ou à la science politique. Comment se passent les cours, quel genre de cours c'est? Bah, pour me renseigner, parce que j'ai un peu d'idées, mais sans plus. Je ne sais pas trop ce que je veux faire et du coup pour un peu voir les différents domaines et les possibilités. Je suis venu pour compléter mes différents vœux sur Parcoursup, chercher des informations par rapport aux filières scientifiques qu'on pouvait trouver à l'université. Essayer de reprendre un peu les cours, entre autres, de m'orienter, surtout en fait dans le lien du sport. Du coup, oui, j'ai eu des réponses par rapport à mes questions, par rapport aux débouchés, comment se passaient les cours, parce que c'est une méthodologie très différente de tout ce qui est appris au lycée, etc. Et ça m'a aidé pour trancher ma décision. Bah, en fait, il y a un peu trop de choix, en fait, du coup. Donc moi, ce serait plus kiné pour pouvoir aider des gens, par exemple en rééducation, qui ont eu un accident et donc du coup les aider à remarcher. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur d'autres filières qu'il pouvait y avoir. Qu'en tant que lycéen, on est un peu perdu à ce niveau-là. J'ai vu pas mal d'intervenants et franchement, même des élèves qui avaient mon âge, c'est encore mieux parce qu'au final, on se comprend. Ils sont très sympas, ils nous aident, ils sont... Oh, c'est bien. Je suis encore un peu perdue, mais on a regardé les dates de portes ouvertes pour les écoles. C'est très clair. Je sais ce que je vais mettre dans Parcoursup maintenant. Ça me conforte dans mes différents choix. Du coup, des fois, on a des sortes d'a priori. Et au final, en fait, on se retrouve à penser des choses qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est plus le contraire. Ça aide à avoir confiance et à se dire, OK, je fais le bon choix. Ça va m'aider pour mon choix futur.